32. Mais c'est vrai que ça sonne bien, mais ça correspond à quoi? Attends. C'est tous les textos qu'on s'est envoyés depuis qu'on s'est rencontrés. Ah d'accord, très bien. Non mais attends, tu te rends compte? Laisse-moi te peindre. Non, hors de question. Non, Chloé, attention, Chloé. Chloé, attention, Chloé, tu t'apprêtes à faire une énorme bêtise. Joyeux anniversaire. À nos 4 ans. Alors, comment t'as trouvé ce petit bout de chemin parcouru avec moi? Addictif. Alors, on continue. On ne s'arrête plus. J'aurais aimé vous appeler pour vous dire que si vous n'avez plus de ses nouvelles, c'est qu'elle souhaitait plus vous voir. Chloé a eu un accident de voiture. Particulièrement maintenant, j'aurai à te dire absolument tout ce que je veux, parce que tu n'es rien, tu n'existes plus, t'es minuscule. Je peux même pas me vanter d'avoir eu comme tout le monde une vie de couple catastrophique. Ravis-toi, t'es ridicule. Je me suis jamais senti aussi vulnérable, je me suis jamais senti autant à la merci de quelqu'un. Ne me dites pas que vous m'attendiez avec autant d'impatience. Non. Je me demandais qui c'était. Ah, d'accord. J'allais manger. À 15h? Ouais, enfin, j'allais goûter. À 30 ans? Bon, ça va, je suis chez moi, je fais ce que je veux. La vérité, c'est que vous avez peur de découvrir qui vous êtes parce que vous ne supportez pas l'idée d'avoir pu être médiocre. Je suis pas votre petite, d'accord. Je trouve ça assez drôle que vous ayez une idée du genre d'homme qui vous plaît alors que vous redécouvrez tout juste la fonction d'un épluche-légume, enfin bon.